Bonjour à tous, je m'appelle Rabia Hussein, je suis Project Manager au CTID qui co-organise avec Women in STEAM la Semaine africaine des sciences à Djibouti, la première édition. Bonjour, je m'appelle Simon Mohamed Abdillahi. Je suis en classe de 3e, je viens de l'école ILACE et je suis ici au CTID pour assister au défi de codage qui se déroule dans le cadre de la Semaine africaine des sciences. Mon projet, c'est un projet contre le harcèlement physique. Plus tard, je ne sais pas trop ce que je vais devenir, mais c'est plus dans la science, vu que là, je fais deux concours en même temps. J'espère trouver ma voie et aller au bon chemin. Bonjour, je m'appelle Fatouma Rachid Abdillahi. Mon projet consiste à une application pour faciliter la médecine aux gens. Tu dis tes symptômes et ces symptômes vont permettre au docteur de te soigner plus facilement. Cette application est gratuite, sans internet. Tu le télécharges et c'est fini une fois. C'est pour ça que je voudrais faciliter l'accès médecine à tous les gens de la Djibouti, que ce soit riches, pauvres, toutes les catégories, enfants, grands. Je voudrais devenir docteur plus tard. Donc c'est un peu un rêve réalisé à travers ce projet. On peut être fier. Beaucoup de jeunes filles ont vraiment relevé le défi de ce codage, ont pu pendant 6 jours, sans rien savoir, sans rien connaître de l'informatique, ont pu créer des choses, ont pu s'exprimer à travers leurs acquis, ont pu dire ce qu'elles voulaient faire ou ce qu'elles voudraient pour elles dans le futur. Bonjour à tous, je m'appelle Mouna Omar Mohamed, je suis en 3e année B et mon projet c'est de faire voler un drone. Et quand je serai grande, j'ai envie d'être président de la République de Djibouti.